mangerons de ce beau fruit, tel est notre arrêt, nous mourrons. Le serpent est-il mort? Il a mangé et il vit. Et il connaît, et il parle, et il raisonne, et il discerne. Lui, jusqu'alors irraisonnable. Beaucoup de gens souhaitent aujourd'hui nous rejoindre. Les hommes n'ont jamais été aussi seuls et abandonnés. La question n'est pas de développer le nombre de nos fidèles à l'infini. Cela ne servirait à rien. Ce qui compte, c'est d'infiltrer, de coloniser les esprits. La stratégie du cheval de Troie. Nos relais sont bien plus utiles que des millions d'adeptes. Il faut témoigner de la toute-puissance de notre Seigneur, partout, chaque fois que c'est possible. Chacun sait aujourd'hui que Dieu s'est retiré du monde. Satan est le seul libérateur. Et puis plus personne ne veut entendre ce discours de compassion pour les faibles, les pauvres, les génétiquement tristes. Sans doute. Mais rien n'est immuable, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, je dois vous parler d'une grande menace. Elles sont revenues. Elles ? Les sœurs, les messagères. Depuis des siècles, certaines de nos fidèles tentent de retrouver leurs traces. Nous savons depuis peu où se trouve l'une d'elles. Depuis des siècles ? Elles sont apparues pour la première fois en 1210, à la chute de Minerve. C'est un des grands mystères dans l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Des envoyés de l'au-delà ? Pour empêcher l'accomplissement de notre cause ? Bien sûr. Plusieurs fois au cours des siècles, elles ont tenté de déjouer nos actions. Isoler les deux sœurs ne peuvent rien. Aujourd'hui, elles ne savent même pas qui elles sont. Réunies, elles pourraient nous causer des torts inestimables. Il faut empêcher les retrouvailles. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Il en va de notre survie. Elle est historienne. Vous pouvez la suivre à la sortie des cours. Ce sera plus simple. Taille est discret, bien sûr. On ne doit pas savoir ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez été formé. Vous savez vous en servir. Je sais, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on peut faire autrement?
Les métamorphoses, ce sens du merveilleux que les religions modernes ont gommé pour nous laisser un monde un peu triste. Sans doute. L'ère des métamorphoses. Lorsque les dieux et les hommes communiquaient entre eux. Aujourd'hui, les dieux s'occupent plus de nous. Sans doute un peu lassés. Je vous trouve bien amer. La condition d'homme ne vous satisfait pas. Vous voudriez vous changer en quoi? Vous êtes magicienne. Si vous êtes historienne. Je sais. Et vous? Ma vie n'a pas grand intérêt. Toutes les vies ont de l'intérêt, même hors de toute passion. Vous connaissez Ovide, vous aimez la poésie, la littérature. Plus particulièrement la théologie. La théologie. C'est un peu l'histoire du monde. L'histoire du monde ou l'histoire des hommes? Vaste débat. Qui pourrait vite s'éterniser? Plus sérieusement, la religion est partout. Votre médaille, cette colombe à votre cou. C'est une longue histoire. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Au contraire, c'est pas commun ce type de pendentif. Tant pis pour vous. Je suis pupille de l'État. Je ne sais pas qui je suis. Lorsque j'ai été abandonnée, il paraît que je portais cette médaille. C'est la seule chose qui me rattache à mon passé. Et si vous connaissez l'histoire du monde, l'histoire des hommes? Mais pas la vôtre, si je comprends bien. C'est toute l'ironie de l'histoire. Des fois, on aimerait bien oublier son passé. C'est étrange. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu des scènes d'un autre temps. D'un autre temps? J'aime marcher en montagne. Il y a quelques jours, je me promenais le long d'une rivière et j'avais comme une prémonition. A priori, je n'étais jamais venue et j'étais attirée par un point précis. Un vieux moulin. Un moulin détruit depuis des siècles. Les cathares ne comprenaient pas cette célébration de la croix. Comment vénérer cet instrument de supplice? Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aime bien votre présence. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne suis pas spécialement religieuse. Je n'ai jamais pratiqué. Peut-être dans une autre vie.
façon. Est-ce que tout ça a du sens aujourd'hui? Peut-être plus que jamais. Satan a gagné la partie, non? Comment la foi pourrait-elle avoir sa place dans notre époque? Satan? C'est drôle ce que vous dites. Satan n'existe pas. C'est vrai que les valeurs actuelles, la tyrannie de l'argent, la réussite individuelle, le culte de la force, l'exaltation des désirs, tout ça pourrait s'apparenter à des valeurs satanistes. Ça, c'est de la politique. Moi, je vous parle de spiritualité. Justement, ce qu'on appelle la société de consommation a privé les hommes de sacralité. Parce que le ciel est désespérément vide. Hein? Encore une fois, je ne suis pas spécialement religieuse. La religion, pour moi, c'est juste un conformisme. Tout comme les postures anti-religieuses, d'ailleurs. Mais ce qui reste, c'est un grand vide existentiel. Je sais. Pasolini disait que pécher ne signifie pas faire le mal, mais c'était de ne pas faire le bien. J'aime bien cette idée. Mais face à ça, face aux bassesses du quotidien, parfois, il y a la grâce. La grâce. Cette chose indéfinissable qui vous saisit et qui vous illumine. Une fois en montagne, il y avait une fontaine. Au-dessus de l'eau qui s'écoulait, des hommes avaient posé une petite vierge, simple, fragile. Je suis restée là un moment à la regarder. Son regard était doux, bienveillant, une sensation de paix, de sérénité. Vous pleurez?
la beauté, l'amour. Maintenant, je sais. Je ne suis pas digne de tout ce que tu nous as donné. Pardon. Ce matin, c'est la femme qui fait le ménage dans l'église. Le père Di Stefano, le prêtre de la paroisse. Apparemment un suicide. Je croyais que l'église condamnait le suicide. L'église condamne beaucoup de choses. Ses officiants interprètent à leur façon. Tu as été enfant de cœur ? C'est malin, ça. On a toujours du mal à imaginer la vie d'un ecclésiastique. À notre époque, ça paraît assez surréaliste de vivre comme ça, non ? C'est peut-être pas plus mal. En tous les cas, celui-là, il avait un calibre. C'est pas commun. Un curé moderne. Tu vois ça comme ça, la modernité, toi. Il chassait peut-être les démons. D'après les premières informations de l'évêché, c'était un prêtre exorciste. Exorciste ? Le père Di Stefano, c'est vrai, il exerçait les fonctions d'exorciste. Je croyais que ça n'existait plus depuis longtemps. Le démon n'a jamais été aussi présent, non ? Il y a une centaine de prêtres exorcistes en France. Rien que sur Paris, il y a plus de 2500 demandes d'intervention par an. Vous le connaissiez personnellement ? J'étais son confesseur, et entre nous, des liens s'étaient tissés année après année. Vous pensez qu'il aurait pu se donner la mort ? Exorciste, c'est une tâche délicate. Il faut des connaissances impressionnantes, y compris en psychologie et en médecine. Peu de gens peuvent faire ça. On s'enfonce au-delà des limites du mal. Des limites du mal ? On peut penser ce qu'on veut du surnaturel, mais là, les signes sont troublants. C'est une lutte inégale. Le prêtre est l'envoyé de Dieu, mais ce n'est qu'un homme. Et Satan ? Satan ? C'est une blague. Lui, il l'avait côtoyé. De la souffrance pure. Vous pouvez imaginer ce que ça signifie ? Peu de gens peuvent résister à ça. Il vous en avait parlé ? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Le secret de la confession ? Vous ne pouvez pas comprendre. Et le suicide ? Je croyais que l'Église condamnait le suicide. Pourtant, ne rien dire, c'est laisser dire n'importe quoi. Vous croyez que c'est mieux pour lui ? Il avait peur. Une peur terrifiante. Et puis, un petit curé comme lui, vous imaginez les sacrifices liés à sa charge ? À une époque où le désir et le profit sont les seules motivations valorisées ? Je crois qu'il avait peur de chavirer. De chavirer ? Vous pouvez m'en dire davantage ? Non, vraiment non. Ces derniers temps, on s'était perdu de vue. Je m'en veux de n'avoir pas fait plus attention à lui. C'est terrible. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Notre lit, c'est la verdure.
Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Alors, ce chant célébrant l'amour, c'est quoi? Bien sûr, la Bible, le cantique des cantiques. On est loin de la répression sexuelle imposée par l'Église, non? La religion, mais aussi la métaphysique, la philosophie, ont toujours pensé conscience supérieure au corps. Le corps, le sensible, sont dépréciés. Nietzsche a renversé cette hiérarchie. Il pose la conscience comme dérivatrice du corps. Pour lui, le christianisme, la philo, se sont détournés du monde réel pour se tourner vers le ciel. N'écoute pas celui qui te promet une vie meilleure dans un autre monde, nous dit-il à sa façon. Chez Freud, le moi n'est pas maître en sa propre maison. Il faut modérer ses désirs, intérioriser ses attentes du monde. Quand un enfant se touche, on le réprimande, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité. Et c'est dans ce conflit désir-culpabilité que naissent les névroses. On a tous entendu parler du refoulement, toutes ces choses qu'on essaie d'oublier. Aujourd'hui, on est conscient de l'étendue des dégâts. Que de souffrances et de maladies à cause de ça. Est-ce que l'inconscient ne serait pas une invention de mauvaise foi pour dissimuler sa liberté? Avant Freud, Mandeville, qui était psychiatre, a écrit La fable des abeilles. Il a observé que les maladies de l'âme naissaient d'un contrôle excessif des passions. Plutôt que d'accepter ce contrôle, comme le préconise Freud, il faut le supprimer. Libérer l'individu de toute tutelle morale ou religieuse et légitimer l'affirmation de ses désirs. Mais à quel moment le Christ a-t-il prêché morale de nuque? Considérer l'importance de la répression sexuelle que l'Église a fait peser sur la société pendant plus de 2 millénaires, jusqu'à vouloir contrôler toute la vie sexuelle. La périodicité des rapports, la définition des bonnes positions, la diabolisation de la masturbation. J'ai écrit ce livre pour sortir de cette tentation castratrice, de cette peur morbide du sexe qui empêche d'en faire le langage de l'amour et même de s'épanouir. Je le déclare avec fierté, oui, je suis un coach de l'amour. Mais savez-vous que les pratiques sexuelles que je vous enseignerai font partie des secrets les mieux gardés des sociétés secrètes? Une pratique sexuelle bien maîtrisée permet d'atteindre un état de conscience altéré, ce que l'on appelle le troisième œil, un extase visionnaire. Oui, il faut encourager le sexe comme un acte sacré. Commencez par lire ce livre. Et puis, je vous attends. Nous avons du chemin à faire ensemble. Bonjour. Bonjour. C'est pour qui? Pour César, s'il vous plaît. Oui. Très intéressant la conférence. Hein. Bon. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça a marché? Je pense. Ça devrait attirer du monde. Dès qu'on parle de sexe... Ça va faire avancer nos idées. Toi qui fais partie des meubles ici. Ce type, ça te dit quelque chose? Oh oui. Jacques Muller, le patron d'Areva. Une des boîtes les plus importantes de la région. Il a fait quoi? Je sais pas. Peut-être rien. Faut l'espérer.
C'est pas un client ordinaire. Où t'as eu cette photo? Reçue par mail, de la part d'un pseudo bidon, sans explication. Un admirateur anonyme? Visiblement, il fréquentait le père Di Stefano. Pour qu'un inconnu m'ait envoyé cette photo, il doit y avoir quelque chose à fouiller. Tu connais quelqu'un qui pourrait m'en parler? N'importe quel notable du coin. M'étonnerait que tu en tires quelque chose. Dans ces milieux-là, on parle pas. Et là, c'est pas une figure de rhétorique. On verra. Le prêtre a échoué ou il a dû renoncer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous l'avais dit, elles sont très fortes. Il faut tout réorganiser, on ne peut pas laisser passer. La peur, il n'y a que ça pour triompher. Bien sûr, s'il pouvait y avoir une guerre ou une épidémie. Mais ça viendra. Le prêtre. Quel prêtre? Le père Di Stefano. C'est un drôle de paroissien. Une femme est passée. Elle recherchait un type. Envolé au petit matin. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait passé la nuit avec notre bonhomme. Et au matin, alors qu'ils étaient chez lui, il a disparu. Il n'est plus revenu. Elle s'est inquiétée. Au bout de quelques jours, elle est passée au poste pour voir si on avait des infos. C'était lui? Quand elle a donné l'adresse, c'était bien la sienne. T'aurais dû voir sa tronche quand elle a appris que le sbire était curé. Elle le savait pas? Que dalle. Ça n'était pas inventé, le bougre. Vous lui avez dit pour le suicide? On lui a dit qu'il était décédé. Mais tant que l'affaire est pas classée, on en préférait rien dire. Elle mettra pas longtemps à apprendre ce qui s'est passé. Stefano. Connu, c'est peut-être excessif. En même temps, connaît-on vraiment les gens que l'on rencontre? Vous ignoriez qu'il était prêtre? Bien sûr. Où l'avez-vous rencontré? Dans une librairie. Tout à fait par hasard. Par hasard? C'est lui qui vous a abordé? Abordé? Quel drôle de mot. Il m'a parlé de littérature. Et puis, vous avez fait connaissance? C'était un homme cultivé et ouvert. En même temps, il y avait en lui une sorte de souffrance. Comment est-il mort? Il s'est donné la mort. Ce jour-là? Je pense. Mais pourquoi? Je vais vous laisser.
te dit bien. On se connaît ? Moi, je te connais. Je connais ta peine, la douleur de ta déchirure. Tu vends des pilules pour le bonheur, c'est ça ? Allez, c'est bon, j'ai donné. Des pilules ? Mais c'est pas ça qui te la rendra. Alors écoute-moi bien. J'ai perdu ma vie. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Essaye la mort. Ça va venir, oui. Pas comme ça. On peut flirter avec la mort. Flirter ? L'apprivoiser, si tu préfères. Et retrouver Julia ? Retrouver son âme. Enfin, si ça te fait pas peur. Comment ? Son âme appartient désormais à Satan. Il suffit de lui demander. Comment prie ? Allez, c'est bon. Tu es chanteur, non, il me semble. C'est décontractant. La prochaine fois, ce sera le visage. Vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour garder sa jeunesse? Moi, je mets le jus de citron tous les matins. Ensuite, deux ou trois fois par semaine, je me fais un gommage avec de marc de café, un mélange de miel et d'huile d'olive. Et puis après, c'est de la place, c'est de l'hydratation. Donc, en fait, la peau, il y en a déjà dans le corps. Donc, donc après c'est pareil, à partir du 25 ans, ça commence à être aussi. On prend le rendez-vous pour le soin ? Bien sûr. Pour le 3, c'est toujours bon pour vous ? Décale. N'oubliez pas votre sac. Merci. J'aurais quelque chose à vous proposer. Je peux vous voir 5 minutes ? Mais bien sûr, oui. Juste 5 minutes, parce qu'après j'ai d'autres rendez-vous. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Avant, je n'avais pas besoin de tout ça. J'étais une très belle femme. Les hommes, ils étaient prêts à tout pour moi. Mais vous êtes toujours belle. Ne vous moquez pas. C'est assez dur comme ça. Vous savez, l'âge n'est pas une fatalité. Je crois que j'ai déjà tout essayé. Qu'est-ce que vous voulez encore me vendre aujourd'hui, à part un miracle ? Un miracle ? Peut-être bien, mais pas comme vous l'entendez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je connais des gens qui savent des choses qui nous dépassent. Et ça marche. Une de mes amies a essayé. C'est impressionnant. Ça doit être cher. Ce n'est pas question d'argent.
Ils font des essais de produits nouveaux, comme sur des cobayes. Mais non, c'est autre chose. C'est un peu délicat. Ça demande de la discrétion. Mais pour retrouver votre jeunesse, vous seriez prête à quoi? Alors, qu'est-ce que ça donne? Au-delà de nos espérances. J'ai même dû refuser du monde à notre petite séance. Tout le monde a envie de goûter aux fruits défendus et de se rêver dans la peau d'un Casanova. Casanova de pacotille. Le sexe. C'est le point névralgique de la plupart des religions. C'est le point fort de Satan. C'est même trop facile. Comment voulez-vous que les hommes résistent à leur penchant naturel? Leur penchant naturel. Thank you.
Allez, vas-y, t'inquiète pas. Vas-y, pense à Julia, c'est pour elle que t'es là ce soir. Pense à elle. Allez, vas-y. Jamais briller le ciel, reste sourd. Tu verrais l'ardent vie, tu gis mon amour. Beauté divine, mais face à la lune éternelle. Ton âme s'enflammera à jamais, immortelle. Immortelle. Et nox, facta est, sodom. Et nox facta est, et nox facta est, Sodom, et nox facta est. Ton seul sera mon étendard. Ange de la damnation, je ne crains plus ton regard. On s'en refuge, j'ai parlé aux éclairs. Que le soleil s'éteigne, bienvenue en enfer. Et nox, facta est, Sodom. Et nox, facta est. Et nox, facta est, Sodom. Et nox, facta est. C'est bien que vous vous tourniez vers nous. Laurie m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous pourriez peut-être me rendre ma jeunesse. J'ai tout essayé, pourquoi pas ça? Beaucoup de choses sont possibles, c'est surprenant. Mais il faut faire quelques sacrifices. Êtes-vous prête à ça? Des sacrifices? Ça dépend de ce que vous allez me demander. Je vous l'avais bien dit. Tout le monde ne peut pas bénéficier des dons de Satan. Ce n'est pas bien méchant ce que nous attendons de vous. C'est-à-dire? Juste une participation à une cérémonie. Comme les chrétiens, nous faisons des sortes de messes pour rendre grâce à notre Seigneur. C'est parfois un peu spectaculaire, mais vous n'avez pas à avoir peur. C'est du spectacle, tout au plus. Du spectacle? Comme vous avez quelque chose à demander à Satan, vous occuperez la place d'honneur sur l'autel. C'est impressionnant comme rituel, mais c'est rien. Juste une mise en scène. Vous laissez faire les officiants, ça dure quelques minutes. Et c'est fini. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous préparer au mieux pour jouer votre rôle. Vous avez amené une photo ou une mèche de cheveux ? Vous avez déjà fait ce type d'expérience? Non. Jamais. Je vous cacherai pas, je suis plutôt sceptique. Je dois vous prévenir. Les esprits n'aiment pas être dérangés. Ce sont eux qui choisissent. Il faut être patient. Il se peut que nous n'ayons aucune réponse. Il faut du temps pour communiquer avec eux. Vous êtes prêts?
Faites comme nous. Je vais diriger la séance. Le moindre faux pas peut être irrémédiable. Bonjour esprit. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Nous souhaitons communiquer avec Julia ce soir. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Esprit, tu es là. Comment t'appelles-tu ? Julia, tu sais qui est avec nous ? Amour, oui, il est là. Oui, il est bien là. Tu lui manques ? Adieu. Est-ce qu'il faut qu'il t'oublie ? Nous souhaitons arrêter la séance. Merci de nous avoir écoutés et d'être venus nous voir. Veuillez rester où vous êtes et ne pas nous suivre. Putain, mais pourquoi arrêter là ? Pourquoi ? C'est trop dangereux. Les esprits n'aiment pas être dérangés. Pourquoi lui demander de pas nous suivre ? Moi, je veux qu'elle reste avec moi, je n'ai pas peur. Jamais elle ne me ferait de mal, jamais. Un retour ? Ce n'est pas de mon ressort. Ce que tu espères, tout le monde le cherche. Mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a des règles dans le monde des morts. Alors je veux connaître ces règles. Tu peux espérer retrouver l'absente, mais je te préviens, ce n'est pas gratuit. Je suis prêt à tout, et à n'importe quel prix. C'est simple. C'est une vie contre une vie. Pourquoi vouloir aller si loin ? C'est pas nécessaire. Nos adeptes s'interrogent. Ils trouvent notre attitude très timorée. Timorée ? Mais on adopte nos principes ou pas ? Il s'agit pas de se mettre à la place de Satan. Pas prendre sa place, mais de faire sentir sa présence d'une manière plus appropriée à nos valeurs. C'est prendre beaucoup de risques. Et c'est risqué de bouleverser certains de nos adeptes. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas des plaisantins qui organisons des séances distractives. On ne vient pas chez nous comme dans une association de danse ou de bricolage. On ne discute pas ça. Mais il y a des points de non-retour. Satan doit terroriser. Il faut que les gens aient peur. Une peur inexprimable. Dans ce monde, on est chasseurs ou gibier. On ne fait pas de cadeaux. Dans tous les cas, c'est pas moi qui pratiquerai. On a déjà trouvé un exécutant. J'espère que vous savez ce que vous faites. Thank you.
Ethnos, facta est. 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 Domine Satanas, Domine Inferus Vobiscum. Ô grand Satan, père de tous les maléfices, investis-moi de ton pouvoir et accepte mon esprit maintenant et pour l'éternité. Ego, ego, Belzebub. Ego, ego, Azaroth. Ego, ego, Igor. Satan soit avec vous. Et avec votre esprit. Abaissons notre cœur. Nous le retournons vers Lucifer. Rendons grâce à Satan. Cela est juste et mauvais. Ô Dieu des ténèbres, essuie les larmes de nos yeux. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donne-nous l'eau de la fontaine de la vie et de la connaissance, la puissance, la gloire, la fortune. À nous tes enfants sacrés, ô infernal Seigneur, qui glorifie notre iniquité, nous renonçons au paradis des faibles pour jouir ici-bas. Nous plaçons en toi, Dieu de la chair et du sexe, notre incommensurable malveillance. Veille à la satisfaction de tous nos désirs. Devant toi, nous nous prosternons en proclamant: Notre Père qui es en enfer, que vos noms soient maudits, que le règne d'Antéchrist arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme en enfer. Bénissez nos offenses, soumettez-nous à la tentation, et délivrez-nous du bien. Délivrez-nous du bien, Seigneur Satan, notre Maître, au nom des plaisirs qui nous unissent, et gloire à tous les démons de l'enfer. Nous sommes vos serviteurs, et nous implorons que vous nous permettiez d'accéder aux voluptés et aux richesses de ce monde. En échange, nous vous donnons notre âme. Lucifer, Belzébuth et Astaroth, démons de l'enfer, vous qui régnez sur l'au-delà, permettez-nous de rentrer en contact avec notre sœur défunte. Ton corps est retourné à la poussière, mais par cette nuit sans lune, tu peux nous revenir. Asmodée, Astaroth et Lucifer, nous te conjurons d'accepter ce sacrifice. En échange, Kyrie Clémentissime, nous te demandons de nous rendre notre sœur Julia. Au nom du grand bouc, Asmodée, Astaroth et Belzébuth, nous te conjurons d'accepter ce sacrifice. Ah! Ah!
Le légiste a dit qu'il n'y avait aucune trace de violence sexuelle. Il n'y a aucune trace de violence d'ailleurs. Un coup de poignard franc. Aucune résistance de sa part. Elle s'est laissée faire. C'est un peu comme si elle l'attendait. Le corps a été déplacé. Elle n'a pas été tuée ici. La scientifique nous donnera plus d'infos. Ça ressemble un peu à un rituel. Un rituel qui est riche qu'au meurtre. Peut-être une sorcière. À une époque, on leur faisait pas de cadeaux. Une sorcière. T'as trop lu de contes de fées. Les sectes tordues faisaient ça autrefois. Les satanistes. Encore Satan. Il ne quitte plus. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Non, j'ai rien à vous dire. Votre passé ne plaide pas en votre faveur. Vous avez des choses à cacher? On vous a mal renseigné. Il n'y a jamais rien eu contre moi. Ce ne sera pas long. Juste quelques points à éclaircir. C'est du harcèlement. Je vais prévenir mon avocat. Au revoir, madame. Thank you.
La bouteille ? Oh ! Ok, on y va tout de suite. C'est quoi ? Un barge qui s'est jeté sous une voiture. Sous une voiture ? Ouais. Je roulais tranquillement et il s'est jeté. J'ai failli l'écraser. Arrêtez-le, il va faire n'importe quoi. Monsieur ? Monsieur ? Je suis un assassin. Allez, on va y aller. Mais vous comprenez rien. La femme nue. C'est moi qui l'ai poignardée. La femme de la maison en ruine ? Mais je sais rien, je sais pas ce qu'ils ont fait du corps. Ok, venez avec nous, on va vous écouter. Thank you.
Depuis que tu es chez nous, tu te sens mieux ? J'ai retrouvé un sens pour ma vie. Quand je suis venue chez vous, j'étais mal. C'était pas simple de contacter un coach, comme on dit aujourd'hui. Parler de choses intimes à un inconnu. Coach, c'est mon métier, mais pour moi, ça va au-delà. C'est une véritable mission. Les chrétiens diraient un sacerdoce. Et puis pour toi, je sentais qu'il y avait de fortes dispositions. Ta souffrance au quotidien, ton isolement, tout cela indiquait un profond besoin d'idéal. Tout ce que le monde moderne nous pousse à renier. Après mon licenciement, j'étais perdue. Jusque-là, mon chemin semblait tout tracé, je n'avais qu'à le suivre. De l'argent, des amis, plutôt des relations. Puis d'un coup, crac, le néant. Tout avait l'air factice, artificiel, du vent. On a perdu les valeurs originelles. Le christianisme nous a pervertis. Le monde n'est pas cet endroit horrible que décrit l'Église. Cette négation de la vie est malsaine. Avec notre groupe aujourd'hui, je peux concevoir l'avenir. Je sais que nous allons gagner notre combat. Parce qu'elle est juste. Notre voix est la seule qui mène à l'épanouissement. Je me sens forte chaque jour un peu plus. Je sais. Je suis tellement fière de toi. Merci. Maintenant que tu es vraiment des nôtres, il faut que je te dise. Cet édifice que nous bâtissons chaque jour est menacé. Tu comprends bien qu'une telle réussite exaspère nos ennemis. Évidemment. S'il faut lutter, je suis prête. J'en attendais pas moins de toi. Pas dans une église, quand même. Vous pourriez avoir un peu de respect. Suivez-nous. La deuxième sœur. Après, on dira que la fatalité n'existe pas. Monsieur Weber, on a du mal à vous suivre. Un suppôt de Satan qui prie la Vierge dans une église. L'Antéchrist agit parfois, malgré lui, pour le bien de l'humanité. De l'humanité ? C'est vieux comme le monde, votre truc. En politique, on appelle ça l'entrisme. On s'insinue dans un groupe pour en prendre le contrôle. C'est là que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi prendre le contrôle d'une bande d'illuminés ? Vous pensez court. C'est le signe d'une époque, cette absence d'esprit. L'Église aussi s'est fourvoyée. Ces hiérarques ont cru qu'on allait entrer dans un monde de liberté et d'amour. On a remplacé les fondements de la foi par un humanisme sentimental et vain. Résultat, la fin de la sacralité, la décadence, le cynisme, l'exploitation de la sensibilité. Le temps des imposteurs et des bouffons ignares et fiers de leurs bêtises. Regardez-vous ! Oh, tu te calmes ? Tu crois que t'es meilleur que nous ? Et puis, pour un homme de Dieu, aller jusqu'au crime ? La crainte et l'obéissance sont au cœur de l'Ancien Testament. Vous êtes juste un assassin, le pire des assassins. Un soldat de la lumière, un chevalier de Dieu,
Tuer ou mourir pour le Christ est le plus glorieux des devoirs, comme les chevaliers en firent serment sur le Golgotha. Une nouvelle croisade? Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, c'est ça? Les effets négatifs de la religion. Vous radotez? Oui, je sais. Les inquisiteurs, les guerres de religion, l'obscurantisme. Mais la réalité, c'est que la méchanceté des hommes, l'attrait du mal sont sa limite. Et ce combat-là mérite bien quelques sacrifices. Des innocents? Il faut connaître sa part d'ombre pour pouvoir l'affronter et la combattre. Et puis, vous feriez bien de craindre pour votre salut. La damnation, le tourment éternel. Rappelez-vous, il n'y a qu'une chose qui puisse survivre à tous les procès. Une conscience tranquille. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Vous devriez relire l'Évangile selon Matthieu. Le sermon sur la montagne. La condamnation de la violence. Vous n'êtes qu'un fanatique dangereux, Monsieur Weber. Le mal, c'est vous. Je vous plains. Je t'avais parlé des menaces qui pesaient sur notre groupe. Il ne faut pas se laisser faire. Tu as raison, nous devons réagir. Chacun doit prendre part à la lutte. Il faut que tu saches que ce que je vais te demander est très grave. J'en suis bien conscient. Je ferai ce que vous me demanderez. L'appartenance à notre groupe est ce que j'ai de plus précieux. En me prenant, vous m'avez donné ma chance. Je ne trahirai pas votre confiance. Tu es l'une des meilleures d'entre nous. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Votre mari a avoué le crime de la messe. Il n'a tué personne. Il a organisé toute l'opération, c'est encore plus grave. Il a fait plonger des gens qui n'auraient jamais fait ça. Il n'y a pas d'innocents. Ils n'étaient pas obligés. La justice tranchera. Il ne sert à rien de nier. Vous êtes autant coupable que lui. C'est vous qui le dites. Pas moi, non. Mais vos complices. Ou plutôt, vos victimes. Il n'a pas fallu les pousser beaucoup pour qu'ils nous racontent toutes vos manipulations. Gardez vos sarcasmes pour la cour d'assises, ils apprécieront.
un crime gratuit pour des raisons plus que vaseuses. J'espère que votre foi vous réconfortera en prison. Ça va être long, très long. C'était son idée, pas la mienne. Moi aussi, il m'a manipulé, qu'est-ce que vous croyez ? Je ne crois rien, je constate. Il n'y a pas grand-chose à votre crédit. De la cruauté comme lui. À aucun moment, vous n'avez fait preuve de la moindre compassion. Si je vous donne une info capitale ? C'est-à-dire ? Quelque chose se prépare. Un crime. Un crime ? Vous êtes l'une des deux sœurs, n'est-ce pas ? Mais c'est quoi cette histoire de sœurs ? Je ne comprends pas. C'est un truc qui a été monté de toutes pièces à partir d'une vieille légende sur les cathares. Suffisait de trouver deux fillettes qui avaient été abandonnées, deux sœurs, de suivre leur parcours. C'était facile avec nos relations. N'ayant pas d'origine, on pouvait vous en coller une plus ou moins surnaturelle. Mais pourquoi faire ? Dans tout combat, pour unir une bande, il faut des adversaires, des personnes à haïr, que l'on puisse identifier et livrer en pâture à la masse comme les responsables de tous les maux. C'est vieux comme le monde et ça marche toujours. Des boucs émissaires. Quelque chose comme ça. Et ces médaillons que nous portons, ma sœur et moi ? Vous aviez été recueillis dans une institution religieuse. Au moment de vous séparer pour vous placer, un de nos amis prêtres les a mis à votre cou. Un peu comme un lien entre vous qui peut-être ne vous verriez plus jamais. Nous ne les avions pas quand on nous a découverts ? Non. Vous évoquiez un crime ? Votre sœur. Ma sœur ? Vous pouvez encore peut-être la sauver. Quoi ?
Doucement. Les dossiers, les photos que j'ai reçues. C'était vous, n'est-ce pas? C'était moi. Je préférais rester dans l'ombre, c'était pas une mission facile. Compromettante pour l'Église. Pour une partie de l'Église. Il y a des visions très différentes à l'intérieur de notre institution. Mais comment avez-vous su? Di Stefano était mon ami, je savais que sa tâche était difficile, qu'il était en souffrance. Et puis il a rencontré Weber et tout a basculé. Il l'a rencontré dans l'église? Oui. Weber côtoyait des membres influents de l'église. Des gens un peu... particuliers. Depuis une cinquantaine d'années, la chrétienté s'essouffle. Avec la perte des valeurs de notre modèle de société, on a assisté à une montée de nouvelles formes de divagation superstitieuse, y compris de sorcellerie. Certains ont pensé au Vatican que, pour reconquérir les esprits, il fallait redonner droit de cité au diable. Au Vatican? Paul VI a déclaré solennellement que le diable existait réellement. L'ennemi occulte qui sème les erreurs et la terreur, le malin qui pénètre les esprits face aux séductions idéologiques. Jean-Paul II a même célébré en grande pompe la naissance du curé d'Ars, ce prêtre qui avait une relation avec Satan. On a institué un véritable pèlerinage charismatique à Ars. Tout un courant s'est forgé autour de cette tentative de réévangélisation. C'était aussi l'occasion de régler ses comptes avec des courants jugés trop progressistes. La théologie de la libération. Et avec d'autres courants plus ouverts sur le monde. L'écologisme, le féminisme. Autour de ce renouveau charismatique, de nouveaux ordres religieux sont apparus, avec une religiosité plus émotionnelle, même plus spectaculaire. On a redonné foi à la lutte entre les forces du bien et celles du mal. Il fallait expurger le mal au prix de vieux réflexes fondamentalistes. L'exorcisme est donc redevenu un enjeu stratégique. D'où la manipulation du père Di Stefano. Il fallait entretenir un véritable délire des monomaniaques. Le salut de l'âme, sa purification, peut passer par des actes proches de la magie. Et c'est bien moins contraignant que l'ancien sentiment de culpabilité qui limitait les désirs individuels. Je ne suis pas sûre de comprendre. Par l'entretien d'un sentiment de possession, de peur, on crée une dépendance. Un peu comme si on était infesté par une maladie qui nécessite des soins réguliers. La guérison comme moyen d'évangélisation. En quelque sorte. Et pour que ça marche, il faut que Satan puisse montrer sa présence et sa force. C'est tout le travail des gens comme Weber, qui s'introduisent dans les cercles sataniques pour en renforcer l'impact. Et Di Stefano? Je connaissais le rôle de Weber. Quand mon ami a commencé à les fréquenter, j'ai tenté de l'en dissuader. Mais l'emprise était forte. J'ai donc mené ma propre enquête pour le mettre au courant de cette machination, pour tenter de le sortir de là. Mais j'ai échoué. Je ne pensais pas qu'il sombrerait aussi vite. Et pourquoi aller aussi loin? Jusqu'au meurtre? Ces gens sont intimement persuadés que leur combat est bon. Que c'est le seul qui sauvera la chrétienté, qu'ils voient s'affaiblir chaque jour. Ils sont prêts à aller vraiment loin. We'll be right back.
Le temps qui passe, ça résume toute notre condition de mortel. Des vestiges pour une historienne. Si je comprends bien, je l'ai échappé belle. Nous étions toutes les deux menacées. Apparemment, ils avaient perdu ma trace. Ils s'en sont donc pris à toi pour commencer leur guerre. Tout ça me semble tellement irréel. Comme pas mal de choses que je vois tous les jours. Moi, plus rien ne m'étonne. Ça nous a permis de nous retrouver. C'est le point positif de cette histoire. J'avais une sœur sans le savoir, elle m'a sauvé la vie. Tu as l'air tellement forte. Il a fallu se construire, seule. C'était pas facile. Alors je me suis forgé une carapace. Je crois que la mienne, c'était le refuge dans le passé. Tu savais, toi, que tu avais une sœur ? Je l'ai su il y a pas longtemps. Par mon boulot, j'ai pu avoir quelques infos sur mon parcours. On disait qu'on avait retrouvé deux fillettes. J'ai tenté d'en savoir davantage, mais impossible de pénétrer plus dans les archives. Ils avaient bien verrouillé leur affaire. Je crois qu'ils avaient prémédité ce coup depuis des décennies. Impressionnant. Aujourd'hui, on ne peut plus penser que dans le court terme. Tout est éphémère. On prend, on jette. Pour eux, le temps n'a pas la même valeur. On peut semer des graines qui germeront lorsque cela sera nécessaire. Il y a peut-être d'autres personnes comme nous. Des petites bombes qu'on activera le moment venu. Et nos vrais parents, tu sais quelque chose ? Non, et c'est peut-être mieux comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que notre mère a souffert de cette séparation avec ses enfants. Elle serait peut-être heureuse de nous retrouver. Peut-être. Mais ça a été tellement dur pour moi. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas réussi à me construire une famille. J'espère qu'on se verra souvent. Le diable nous a réunis. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer ? J'aimerais briller le ciel, reste sourd. J'irai la rangée du gym, mon amour. Beauté divine mais face à la lune éternelle. Ton âme s'enflammera à jamais, immortelle. Immortelle. Ethnox, facta est, sodom. Ethnox, facta est. Ethnox, facta est. Sodom. Ethnox, facta est. Ton seul sera mon étendard. Ange de la damnation, je ne crains plus ton regard. On s'en refuge, j'ai parlé aux éclairs. Que le soleil s'éteigne, bienvenue en enfer. Ethnox, facta est.